Et une fois, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, je t'ai sorti de ce monde, hein. Je t'ai sorti de ce monde. Rabbeinu, il a sorti Rabbi Nathan de ce monde. Rabbi Nathan, il était là, il tournait parmi nous, mais il était pas, il vivait pas. C'était pas un ben olamazé, c'était pas quelqu'un de ce monde-là. C'était pas un consommateur. C'était pas quelqu'un qui vivait selon les modes de consommation de ce monde, les valeurs constructives et intellectuelles et financières. Des politiques de ce monde. Rabbi Nathan, il vivait dans ce monde, mais il était complètement connecté à l'autre monde. Donc, Rabbeinu, il a dit aussi, il a dit maintenant que vous êtes rapprochés de moi, même si Chas v'Shalom, vous faites des bêtises, ça sera sans pied et sans main. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous enlever le goût du mal. Le goût de faire le mal. Même si vous faites des choses qui sont mal, Chas v'Shalom, vous allez faire sans goût, je vais vous enlever. Ça, c'est un cadeau de Rabbeinu. Il dit, voilà, je vais vous faire cadeau quelque chose que ce monde-là, il ne va pas vous rouler. Rabbeinu l'a dit, non seulement personne ne pourra vous rouler, mais vous aussi, vous-même, vous ne vous roulerez pas vous-même. Ni le monde, il va vous rouler, ni vous, vous allez vous rouler vous-même. Ça, je vous fais cadeau. Je vous fais cadeau, ça. C'est un cadeau de Rabbeinu.